Wassalam alaikum à tous mes très chers abonnés, j'espère que vous allez bien, que tout va bien pour vous et que votre famille et tous vos proches se portent bien. Si toute votre famille et tous vos proches se portent bien, eh bien, tant mieux. J'espère en tout cas que tout continuera à bien se porter pour eux et pour vous aussi. Et aujourd'hui les frères et sœurs, on se retrouve pour une petite vidéo gaming sur un jeu qui est absolument bizarre, absolument what the fuck. Ce jeu, vous allez le trouver bizarre, mais c'est ce qu'on aime de temps en temps. On aime faire des jeux que tout le monde ne fait pas et des jeux super bizarres et qui n'ont aucun objectif en fait. Aucun objectif. Ouais, voilà. En fait, à part voilà. Exploser des iPhones... Voilà, c'est un jeu de merde, parce qu'il a été trouvé par une personne pas forcément très intelligente en même temps. On sait pas de qui je parle, absolument pas. C'est qui a trouvé ce jeu, Lia? C'est toi. Ah non, c'est toi en plus. C'est elle qui a trouvé ce jeu, elle me l'a montré, elle m'a dit « Ah, ça serait marrant à faire en vidéo », j'ai dit oui. J'ai dit oui, pourquoi? Bah parce que pour toutes les personnes qui sont pas fans d'iPhone, bah vous allez aimer. Et pour toutes les personnes qui ont un iPhone et qui les a une ou deux fois pris pour des cons, je pense que vous allez aimer aussi. Parce que là, il va s'agir de casser des téléphones. Et comme vous le savez, Tonton a récemment cassé combien de téléphones? Deux. Voilà. Je pense que je vais gagner l'IA. Alors bien sûr, vous savez que je ne fais pas un jeu sans objectif. Ça ne m'intéresse pas sinon. Il y a un objectif. Ça sera celui qui cassera le téléphone le plus rapide. Et il y a le temps dans le jeu. C'est pour ça que ça devient plus marrant. Et c'est pour ça que Lia, elle m'a dit, quand elle m'a dit qu'il y avait le temps en bas, je me suis dit, là, oui, on va voir quel est le meilleur casseur d'iPhone entre moi et Lia. Et vous aussi, essayez de faire mieux et envoyez-moi le screen sur mon Twitter, @gamex13 comme d'habitude. Le Twitter sera en description. Et comme d'habitude, les frères et sœurs, je compte sur les plus fidèles d'entre vous pour lâcher un petit pouce bleu qui fait toujours plaisir. Et croyez-moi, ça fait plaisir ce putain de pouce. Alors mettez-le, je compte sur vous les frères et sœurs. Bon, bref, on est parti. Est-ce que tu es prête? Bien sûr. Allez, alors on y va. Je commence ou tu commences? Allez, honneur au plus nul, Abdel, vas-y. Ok, alors les gars et les filles, si vous entendez la souris cliquer à fond, c'est normal. Ne vous inquiétez pas, c'est tout à fait normal. C'est parce que le rebeu est trop rapide. Alors là, vous voyez, elle tend en bas, et je dois casser l'iPhone le plus rapidement possible. Je désarme, une tronçonneuse, j'ai un marteau, faut que je le pète le plus rapidement possible. J'ai une putain de vache. Alors Apple, t'aimes ça? Hein, t'aimes ça? Vu le prix que tu fais quand je vois ton écran buggé, ça me met la mort. Putain d'enfoiré, je vais te cramer au chalumeau, je vais te finir au chalumeau. Putain. Voilà. 34. 34 secondes pour exploser un iPhone. Alors oui, croyez-moi, c'est qu'un jeu. Ça reste qu'un jeu parce que je pense qu'un iPhone avec une seule balle, il ferait pas long feu. Hein. Mais bon, c'est parti, j'ai fait combien? 34. 34, à toi. Fais mieux, on va voir si tu fais mieux, madame. C'est parti. Oh, on entend les clics, là. Ça clique, hein, ça clique, ça clique. Oh, l'écran, il s'est même pas encore éteint. L'écran, il s'est même pas encore éteint. T'es nul, hein. Putain, elle a fait tout. Elle a recouvert toute la face de l'iPhone. Elle est nerveuse, là, hein. Qu'est-ce qui... Ouh, bah là j'ai fait beaucoup moins de 34, ça c'est sûr. T'as fait combien là? Je sais pas, dans les 20. Dans les 20? Ouais. Ok. Bon, maintenant qu'on a fait le white, nous allons faire le black. Pour pas qu'il y ait de racisme, on fait les deux couleurs. Voilà. Allez, on est parti. Allez. Arrête de tirer au même moment. Mais alors? Tiens, je casse l'heure, les messages, je veux plus les voir. L'heure aussi, tiens. Batterie aussi, tiens. Bande de cons. Tiens, toi. Il est costaud celui-là, par contre. Ouais, j'ai l'impression que c'est de plus en plus fort, en fait. Je clique tellement vite, en fait, que ça bug. Il fait bugger le truc, ouais. What? Oh, j'ai même pas vu. C'est quoi ça, more game? More game. Oui. Autre jeu. Ah. Désolé, je suis jamais allé en classe d'anglais, c'est bon. J'ai jamais Allez, fait de l'anglais. À moi. Tout ce que je savais dire en classe d'anglais, c'était yes. My name is Abdel. Brian in the kitchen. Oui. Brian in the kitchen. Brian est dans la cuisine. Yo, c'est in the kitchen. Ça va pour toi ou quoi? Quoi? Ok. Ok. Allez. C'était gênant. De ne pas être mal à l'aise. C'était très gênant, mais ça va. In the kitchen, c'est un ami, donc ça va. C'est pas trop gênant non plus, mais. Allez, go. Par contre, toi, t'as triché, disons que je pratique pas son intro super bien. Faudrait que je l'appelle via Skype ou que je lui envoie un truc, un petit message pour qu'il m'apprenne un peu mieux son intro parce que bon, je ne la pratique pas super bien encore. Qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Arrête de tricher, tu utilises que l'arme tricheuse, va. Non.
J'ai fait combien de secondes, moi? J'ai fait 20, je crois. J'ai fait 20 secondes. Non. Si. Si, tu l'as dit tout à l'heure, j'ai fait 20. Non, c'était moins une vingtaine. Là, sur celui-là, je sais pas qui a gagné. Je dis, j'ai fait, allez, 38, comme Grenoble. Ah bah, 35. 30. Ah bah, j'ai fait 35. J'ai allez. Fait... Ah, j'ai fait comme Marseille, j'ai fait 13. 38. T'as dit 38, tant pis pour toi. Tricheuse. Ouais, c'est une tricheuse. J'ai fait 35. De toute façon, on va voir hein, dans le montage hein, qui a gagné. De toute façon, c'est pas un problème. On va voir qui a gagné. Je sais que c'est moi. On fait le. Alors, excusez-moi, juste, je ne pratique pas l'anglais. Hein. Mes très chers abonnés, s'il vous plaît, vous foutez pas de ma gueule. Je vous aime. Pour certains, ça fait 4 ans que vous me connaissez. Je vous interdis de foutre de ma gueule, d'accord? Toi aussi. Ça fait 6 ans que t'es avec moi, toi. C'est encore pire. Écoute, gold, ça veut pas dire or. Si. Est-ce que tu vois de la couleur or là? Non. Il n'y aurait pas une anomalie dans le jeu, là. Il n'y aurait pas une couille dans le jeu, là. Non, tout va bien, là. J'ai l'impression que c'est white, white. Pour eux, c'est derrière, gold. Encore les blancs qui sont avantagés. Hashtag Illuminati. Hashtag je peux pas dire plus. Hashtag Hassan Chargomi. Ok. Allez, tu sais quoi? Ok, et tu veux me provoquer pas. Comme ça, hein, comme ça, comme ça. Putain, enfoiré, c'est pas toi qui vient de s'éteindre. Enfoiré l'iPhone 25. 25. Yes. Allez, fais mieux, fais mieux, fais mieux, fais mieux, fais mieux. 25. Fais mieux, fais mieux, fais mieux, fais mieux, fais mieux. Allez, vas-y, fais mieux, montre-moi. Je vais tirer à côté. Elle sait même pas viser un iPhone, frère. Oh, cette fille, vous savez quoi? Imaginez-vous, vous dans votre tête, vous êtes dans un hôtel, tu vois. Il y a un iPhone, enfin, il y a un iPhone, pardon, excusez-moi. On parle pas d'iPhone, on sort de l'iPhone, d'accord? Il y a un éléphant dans un couloir, tu vois. Et il faut qu'elle prenne une M16, qu'elle le shoot, le pauvre éléphant, tu vois. Bah, je vous jure, dans un couloir d'hôtel, elle serait capable de le rater. Tu vois? 28. Non. Arrête de mentir, je l'ai gagné. Oh, t'as gagné. On peut le dire, t'es la meilleure cliqueuse. Ouais. Mais bon, je resterai toujours quand même le meilleur casseur de téléphone IRL. Tu pourras jamais me battre. Ouais, ça c'est sûr. Combien j'ai de téléphones à mon actif? 4 ou 5 au total. Deux en 2 mois. Tu peux pas faire mieux. Un par mois, quoi. Voilà. Si on continue comme ça, je pense que l'autre, il va partir. Non, j'en ai besoin de l'autre. J'en ai besoin de celui-là. Vous savez pourquoi? Parce que chez l'IA, malheureusement, j'ai pas acheté les lumières du jour. Ce qui veut dire que l'éclairage que tu vois là, ça fait de l'ombre. L'éclairage, c'est mon téléphone qui m'éclaire. Et tu sais, je vous le jure, et je te le jure bébé. Et vous foutez pas de ma gueule les frères et sœurs, mais quand je vois que je m'éclaire avec mon téléphone que j'ai posé sur le bras, et vous voyez le bras de mon micro Rode, je l'ai posé sur le bras de mon micro Rode et mon Rode, ça me fait penser, ça me fait reculer 4 ans en arrière. À la galère quand il était en train de rec ses gameplays. Avec un chauffage à roulette. Oui. Écoutez, je mettais technique de blédard. Chauffage à roulette, j'arrivais, je faisais rouler le chauffage devant la télé. Je plaçais le chauffage à roulette ici. Je mettais une paire de baskets. Je mettais mon téléphone dans la paire de baskets qui était, elle, sur le sofa, le chauffage, parce que ça arrivait pile poil à la bonne hauteur. J'appuyais sur rec et du coup, bah, ma chaussure, elle se trouvait en train de rec. mon téléphone, en fait, il faisait le rec dans une chaussure. Ce qui voulait dire qu'en fait, vous allez avoir normalement une qualité assez dégueulasse, mais le cadrage était bon. Mais le seul problème, c'est que le micro du téléphone qui se trouve en bas se trouve dans une paire de chaussures. Je vous laisse imaginer psychologiquement le son qu'il y avait derrière. C'était pas très jojo. Bah en fait, il n'y avait pas de son parce qu'on l'a enlevé. Le son de la vidéo, c'est pas pour mes punchlines, mais... Il était comme mes chaussures, il puait quoi. Voilà. Je me suis punchline, t'es contente? Bien sûr. T'es contente? Bon, ben voilà les frères et sœurs, j'espère que vous avez aimé cette petite vidéo gaming. J'espère que vous avez bien rigolé quand même, c'est un petit jeu sympa. C'est un jeu à la con, hein. C'est pas un jeu de ouf. Mais je me suis dit, au lieu de faire toujours les jeux que tout le monde fait, pour une fois, tu vois, la personne qui l'a fait, je me suis dit, ça pourrait être sympa à faire. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à lâcher un petit like, à la partager, à la commenter et à vous abonner pour plus de vidéos. Nous, on vous dit prenez soin de vous et de la MIFA. Ciao! Take my hand through the flame.